Alors ça fait maintenant plus de 30 ans hein, que l'EDEC mène des recherches et surtout propose des enseignements en matière de leadership à tous ses étudiants et dans tous les programmes, depuis les formations premières jusqu'à bien sûr aux dirigeants et cadres en formation continue. Et à travers la chaire leadership managériale et donc ce partenariat avec Potential Life, ce qui nous intéresse, ce qui nous mobilise évidemment, c'est pour les étudiants de pouvoir leur proposer, je dirais, une conception de leadership positive, réflexif, dans laquelle effectivement, par eux-mêmes, ils vont pouvoir se développer et développer leur propre leadership. Alors ce partenariat, il va permettre à l'EDEC et notamment à la chaire en développement du leadership, en se fondant sur les travaux de la science de l'épanouissement, il va permettre de mettre l'accent pour nos élèves, pour les managers que nous formons, sur un leadership axé sur la santé mentale. Et c'est un sujet qui, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, est véritablement déterminant. Potential Life va aussi nous apporter une certaine légitimité académique, évidemment, avec notamment Tal Benchar, qui est un intervenant qu'on ne présente plus, un chercheur qu'on ne présente plus dans le domaine de la psychologie et du leadership positif, longtemps professeur à Harvard. Et évidemment, les étudiants du master de l'EDEC ont été ravis de le retrouver dans la finale du cours d'intelligence émotionnelle en première année du master. Donc c'est un partenariat évidemment équilibré dans lequel chacun des partenaires va apporter finalement des contributions aussi bien scientifiques que pratiques. Et finalement l'EDEC ne peut que se réjouir pour progresser sur ce terrain du leadership positif dans les années qui viennent grâce à ce partenariat.